Bonjour, donc je vais vous préparer la première série de vidéos qui concerne la classroom. Donc c'est la partie qui vous concerne, qui concerne les enseignants. J'en ferai une autre série d'ici la fin de la semaine qui concerne les auditeurs, pour qu'ils sachent utiliser eux aussi Classroom. Donc, je suppose que vous ne connaissez pas Classroom ou presque pas. Donc, je vous propose chacune des points là sera en lui-même une vidéo séparée pour essayer de faire des vidéos très courtes. Donc, je vous parlerai des bases de la Classroom, comment la créer, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, quelles sont les différentes parties, comment inviter les auditeurs, plusieurs manières d'inviter les auditeurs, etc. Ensuite, on créera notre première classe et les premiers supports. C'est-à-dire la classe, je l'aurais créée dans la première vidéo sur les bases de la Classroom, mais là, à l'intérieur de ma première Classroom, on va aller voir comment ajouter des messages dans un flux, comment créer, quels sont les différents éléments que nous pouvons créer d'une manière générale. Ensuite, on va rentrer un peu plus dans les détails. Comment créer des devoirs, comment ajouter des sujets, comment ajouter des élèves et des tuteurs à une classe, c'est-à-dire plus en détail, comment créer des évaluations, des auto-évaluations qui s'appellent les petits quiz, indépendamment des devoirs, hein. Les devoirs, c'est quelque chose d'assez gros. Un quiz, c'est juste pour vérifier que vos auditeurs ont bien suivi, ou au moins vous allez traquer s'ils sont en train de suivre le cours ou pas. Donc il faut toujours faire des petits quiz pour motiver vos auditeurs. Et comment, si vous avez envie de faire une évaluation notée, ou au moins savoir si votre cours est en train d'être bien suivi, bien compris. Donc aussi, il y a un système de notation dans la Classroom. Le fait de noter dans la Classroom, ça ne veut pas dire que dans la note finale de nos cours à l'ISAE, on va en tenir compte, hein. Ça veut seulement dire qu'au moins, on aura une information sur chaque élève, ce qu'il a fait. Et le jour où il demande, il a eu 9, 9,5. Pour regarder si c'est quelqu'un de sérieux ou pas. Ensuite, une petite stratégie de comment créer des exigences, comment pouvoir motiver nos auditeurs. Et enfin, en fin de semestre, quand vous voulez passer d'un semestre à l'autre ou d'une année à l'autre, comment copier le cours d'une manière la plus facile possible. Donc voilà. Cette petite vidéo d'introduction est terminée et on passera aux autres l'une après l'autre. À chaque fois que l'une est prête, je vous la transmettrai.